2-7 pour commencer, c'est bien, ça lance le tournoi, c'est intéressant. Oui, non, les premiers tours sont toujours difficiles à négocier parce que chaque semaine on a des repères un petit peu différents, donc c'est des conditions qui sont un petit peu différentes de la semaine dernière, donc il faut s'habituer à ça, et voilà, je suis content d'avoir pu gagner en 2-7 ce soir. Alors comment vous le sentez justement ce cours, la Ligue des Sports d'Orléans? Non, le cours est très très bien, c'est un beau cours, c'est vrai que pour un challenger c'est vraiment magnifique, voilà, c'est digne d'un cours de Grand Prix, donc voilà, la salle est bien, et non, je suis content de pouvoir jouer dessus. Et la surface? Non, la surface est un peu similaire aux semaines précédentes ou aux surfaces qu'on a l'habitude d'avoir en indoor. Donc voilà, c'est plus les balles qui sont un peu différentes chaque semaine. D'accord. Pour en venir au match, on a eu l'impression que chaque fois que les échanges commencent à durer, votre adversaire faisait la faute en premier. Ça a été l'une des clés du match. Oui, c'est toujours positif de gagner les échanges les plus longs, parce que ça nous permet de prendre un ascendant psychologique sur l'adversaire. Voilà, j'ai eu la chance de braquer assez tôt dans le deuxième set, donc ça m'a fait du bien aussi d'entrer. Donc voilà, j'ai tenu le break jusqu'à la fin du set, même s'il a commencé à mieux servir. Voilà, j'ai pas trop été inquiété sur mes jeux de service, donc c'est positif. Quels sont les types d'adversaires qui vous conviennent le mieux en termes de jeu? S'il y avait une préférence Ça dépend des joueurs. si je me sens bien, des joueurs du fond de cours. Si je me sens un peu moins bien physiquement, je préfère jouer des serveurs parce que c'est un peu moins fatigant. Voilà, ça dépend. J'ai la chance de pouvoir m'adapter un peu à tout style de jeu, donc ça c'est une chance. Mais après chaque joueur a ses caractéristiques, et forcément quand on joue en indoor, si on joue un très bon serveur, il faut être très concentré du début à la fin. Du coup, demain, ça devrait être plutôt un combat de fond de cours, non, avec Vincent? Ça va être plus sur la ligne de fond de cours que ça va jouer? Oui, non, Vincent aime bien faire des échanges, donc c'est sûr qu'il ne servira pas aussi fort, je pense, que l'adversaire que j'ai joué ce soir. Mais voilà, ça sera un autre type de match. Merci.